Nina calcule 43 moins 35 avec une droite numérique. On va regarder comment elle s'y prend. Alors Nina, elle a placé sur la droite 35 et 42 et elle va chercher ce qui manque pour aller de 35 en 42. Elle va calculer en avançant. Pour calculer ce qui manque pour aller de 35 à 42, elle va déjà compléter jusqu'à la dizaine supérieure, c'est-à-dire jusqu'à 40. Elle se demande combien est-ce qui me manque pour aller à 40. Et quand elle sera allée à 40, elle cherchera ce qui manque pour aller à 42, mais ça c'est facile, on sait déjà que c'est 2. Pour aller de 35 à 40, il lui manque 5. On complète la boîte. Il y avait 5 jetons dans la boîte. On va compléter pour finir la dizaine. 5 et 5, 10. Et encore 2 jetons, 2 unités pour aller à 42. 5 et 2, 7. 5 pour aller à 40 et encore 2 pour aller à 42. 42 moins 35, 7. Je te laisse calculer et dessiner 53 moins 47 comme Nina et 81 moins 78. On se retrouve après la pause. -53 -47, on va marquer 47 sur la ligne. Et puis 53, on va déjà terminer la dizaine pour aller à 50. Et pour aller à 50, bien, il nous manque 3 unités. Et pour aller de 50 à 53, 3 unités, bien évidemment, 6. 3 unités, 3 unités, 6 unités. 81 -78, je vais chercher ce qui manque pour aller de 78 à 81. On cherche bien ce qui manque pour aller du plus petit au plus grand. Pas du plus grand au plus petit. Je vais compléter jusqu'à 80. Pour compléter, il me faut 2 jetons. Hein. J'avais 8 unités pour terminer la dizaine. Il manque 2. 8 plus 2, 10. Et encore 1 jeton pour aller à 80. Ce qui nous donne 3.